Ah oui, là. Hé là là. Hé, hé. Ok. Je fais pas des petits flashs. Caroline, on dirait que je peux pas. Hé, Marielle, je peux vraiment remettre ça? Parce que là, j'ai la bouche qui te... La bouche pas attendue. T'as vu ce qu'elle est? T'as vu ce qu'elle est? Bye! Bye! Bonne avance! Bonne avance! Tu dans ton chemin, là? Non! Oui. Avec moi! C'est bien ça, c'est haut. Hey, j'ai une coupe à part ça. Un peu plus par là, là. Avancez par moi. On fait un autre. Ok. Ah, oh, c'est beau! Regarde moi qui s'en va. 3 minutes, tu regardes 3 minutes comment vous étiez posé là. Tu es toute là? Vous avez l'idéal, hein? Pas d'armes, pas rien. Vous êtes dans l'idéal. Oui. Votre famille, spécial, hein? Pas d'armes, les visages sont tous décontractés. C'est ça. C'est une belle température, là. Pas de vent, là. Allez, la famille, la famille. Ouais. Je suis en train d'arranger. Un beau sourire. On est une belle famille? Bébé. Fais des beaux bisous. On fait un autre. Hein. C'est bon. Ça, so you get, puis les autres. Venez vous en tous. Les filles, là. Les filles. Après, on en fait. Les brus. Ah ouais, ah ouais. Les deux. Voilà, on reste pas là au café, puis avec un beau sourire. Là, 1, 2, 3. L'autre, là, on en fait. Trois filles. Non, non. Mais moi, j'aurais fait de Marie-Claude. Maria, j'aurais fait de prendre au moins une, c'est ça. Qu'on est dehors. Oh, oui, allez-y, les filles. Natacha, vite. Natacha, viens tout de suite. Fais quoi, Natacha? Regarde-le, regarde-le. Natacha, avec un vite, Natacha. Natacha, on est prêts. C'est beau parce qu'elle a mis les cheveux. Ah oui, hein? Oui. Ça tient pas, celle-là, par exemple. Donne-la à ta fille. C'est pas ses cheveux à elle. C'est ça, c'est ça. T'as pas de cheveux à elle. Non, non, c'est bon. Mets Natacha en avant, je pense, non? Non, non, c'est correct. Pas grave. Non, ne penche pas trop ta tête. Non, ok, attendez, je vais regarder. Ouais, je vais la faire au complet. Maman! Wouhou! Fais attention. Ah, c'est bon, ça. Mon Dieu, qu'est-ce que ça? Qu'est-ce que ça? Hey, c'est nos vœux les plus chers! On va demander ça après. Les autres, il faut qu'ils s'en aillent à la main. Tu mets la plante dans la vanne? Oui. Là? Ben moi, je vais prendre, je vais m'en aller avec toi à l'église, comme ça, c'est tout. Parce qu'il faut qu'on rencontre maintenant qu'il y a une main. Ben alors, cherche-moi ça. Ouais, ben, viens. Hey, sais-tu pour un autre 50 ans? Réponds, Jadette. Ah ouais, t'as un cœur d'enfant? Oui, je le veux. Achète-tu pour la vie éternelle? Moi, y penser. Là, on va la faire. Hey, gardez ici, là. Oui. Là. Ça va plus décontracter ta tête. À quelle heure? Vous allez dessus? Au chalet? Ok. Si tu m'aimes comme je t'aime, pose ta question. Ça va avec le chat de ton père. Tu veux ce voilà? Moi, ça me dérange pas de prendre ça. Oui, pas de rapport. Pas de rapport. Pas mal à la mer, je sais pas si ça va être mangeable. Puis ils sont trop beaux. Allô? Allô? Je vais faire poser avec ma mère ici.
Ça va bon, toi, Caroline? Ça va bon, papa? Ben là. Ouais. Ça va bien? Ouais. Bonjour. Ça va? Bien belle. Mmh. Hey. Je vais fermer ça. Je vais prendre les photos de la maman et le papa. Bon, attends, un autre. Là. Qui est la voisine? Là. Ok. Ok, l'autre. Venez. Un autre, attends. Il y avait une zone. Ok, je vais embarquer, je vais te dire, attends, tu l'attends. Veux-tu venir, Serge, prendre? Ouais. T'as-tu t'as les mains pleines, madame? Parce que... En ligne là, comme ça, du côté, là. Passe ici devant, là. Ah? Vas-y, va à côté, là, minute, là. Regarde. Non, c'est ça. Charles, j'allais vous dire, c'est pas ça. Pas demandé. Il a passé, là. Non, c'est ça, ça fait mal. Papa, tu filmes pas ta fille, il n'y a pas rien de gâteau. Ouais, attends, attends, je suis en train de reculer, là. Mouille à part. Mouille à part. T'es surprise, quand tu vois ça sur la caméra. Ouais. On va voir qui est la femme. Ah? Oui, au fond, moi, on va voir. C'est pas là, c'est pas ça. Eh ben là, t'as pas laissé la femme. Non, on a rien, toi, normal. Papa, fais là, coupez, coupez. OK. Embarquez dedans, embarquez, maman. C'est comme les mariés, hein. Embarquez, c'est comme les mariés. Là, faut que tu lèves la patte. J'aurais bien mis avec mon temps. Attends, oui. Attends. Non, faut-tu que je vais te mettre. Thank you.
Alors, si c'est une place de veuve, s'il vous plaît, de donner tout à la salle, à la défense, de rendre grâce au Seigneur pour toutes ces années. Je remercie Dieu qui est fidèle aussi, Dieu qui change jamais de projet, il vous aide tout le temps et toujours avec vous. Et ce soir, on veut le rappeler dans cette célébration. Nous voulons bénir le Seigneur pour toutes les personnes qu'on vit, qu'on parle dans nos cœurs. Baisse la joie, l'automne qui commence et commencé pour les personnes qu'on va réaliser encore en 2001, 2002 et nous voir vraiment vivre de cette espérance, cette année. Père, ça nous laisse célébrer, nous reconnaissons nos corps, nos faiblesses et nous demandons au Seigneur de nous accompagner dans cette prière. Le tribunal, plusieurs d'entre nous vivent chaque jour des richesses et des difficultés. Avec eux, chacun se lance dans un état de vie, incorporant sur la qualité de notre amour. La vie conjugale est l'un des lieux privilégiés par l'apprentissage de l'amour. Demandons pardon au Seigneur des refus d'amour de nous accepter. Seigneur, tu as vécu de la délicatesse avec tes parents, tes proches, nous ne savons pas toujours faire de même. Prends pitié de nous. Seigneur, tu as subi les exigences de l'amour. Nous avons parfois peine à te suivre dans cette voie. Prends pitié de nous. Amen. Seigneur, tu es présent dans notre prochain. Nous n'avons pas su y découvrir ton visage et agir en conséquence. Seigneur, prends pitié de nous. Amen. Que Dieu ton puissant nous fasse miséricorde et pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Regarde avec bonté, Seigneur, ces époux qui se tiennent aujourd'hui devant toi, pleins de reconnaissance, comme ils étaient il y a 50 ans, pleins de confiance et d'espoir. Regarde autour d'eux ceux à qui ils ont transmis la vie et qu'ils ont éveillé à la foi. Donne-leur de rester encore longtemps ensemble. Pour la joie de l'honneur de tous, bénis-les pour cet anniversaire de l'homme de toi, toi qui as consacré ton foi à leur amour, par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Et nous asseoir. Que tu te dis dans ta parole, ce que tu sois avec les rages, avec les morts. Saint Paul nous invite à l'amour mutuel, qui est bonté, patience et pardon. Tel est le chemin de sainteté proposé aux époux chrétiens, pour leur vie de foyer et pour leur vie au milieu des hommes. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Colossiens. Frère, puisque vous avez été choisi par Dieu, que vous êtes ses fidèles et ses bien-aimés, revêtez votre cœur de tendresse et de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Supportez-vous mutuellement et pardonnez si vous avez des reproches à vous faire. Agissez comme le Seigneur, qui vous a pardonné, faites de même. Par-dessus tout cela, il y a l'amour. C'est lui qui fait l'unité dans la perfection. Et que dans vos cœurs règne la paix du Christ à laquelle vous avez été appelés, pour former en lui un seul corps. Vivez dans l'action de grâce. Que la parole du Christ habite en vous dans toute sa richesse. Instruisez-vous et reprenez-vous les uns les autres avec une vraie sagesse. Par des psaumes, des hymnes et de livres de louanges. Chantez à Dieu dans vos cœurs, votre reconnaissance. Et tout ce que vous dites,
parole du Seigneur. De la grâce à Dieu. Thank you.
Thank you.
dans notre ministère, surtout en la route de l'infini et la fatigue est sur nous. Dans le cadre de la raison de Dieu seul, dans l'âge et la responsabilité, même surtout si on peut l'appliquer dans nos vies, surtout au sein où on avance dans l'âge. En effet, nous vous sommes tenus vivants. Ce soir, on peut vous dire merci. On est surtout content pour ce que vous avez fait pour nous sommes durant toutes ces années. C'est une messe de reconnaissance pour l'amour que vous avez eu, pour votre service à l'église, pour le service à la petite église qui était la famille. Continuons de faire avec ça, certes, cette rencontre de joie et de grâce, en poursuivant cette messe, pour le temps avec une réception. Pour ce que je n'ai dit, tu as béni, main qui caresse et qui berce en signe de ta tendresse, main de travail et de l'amitié qui nous disent ta générosité. Elle porte les anneaux de l'alliance qui nous rappellent aussi ta présence. Merci pour l'amour et la vie que chaque jour elles ont servi. Garde ces mains dans la tienne pour les noces de la vie éternelle. Amen. Thank you.
Merci pour la paix de l'Esprit, sa paix de l'Esprit.
avec cette jolie boulard, la femme est serrée au fauteuil loué et fatiguée. Est-ce que tu vas montrer les moins jamais, jusqu'à ce 50e anniversaire de mariage, continue de leur accueillir ta grâce et de vivre ensemble, l'enfant dans le bonheur, sans que tu puisses les apprendre et qu'on lancera ton esprit, qu'elle devienne pour nous le Père et le Sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. De lui-même, il fut trahi et relié par ses amis, alors qu'il se préparait à entrer librement de la souffrance de sa passion, Jésus voulut donner à tous les hommes et femmes une dernière preuve d'amour et de fidélité. Il prit du pain, il rendit grâce au bon prix, il le donna à ses disciples en disant, venez et mangez-en tous. Ceci est mon corps, livrez-vous. De lui-même, de même après le repas, il prit la coupe de vin, de nouveau il en grâce et la donna à ses disciples en disant, prenez, buvez-en tous, car ceci est, prenez, buvez-en tous. Car ceci est la coupe de mon sang, le sang d'alliance, nouvelle éternelle, qui sera versé pour vous et pour la vertu de la rémission des péchés. Son frère sera au même endroit. Seigneur, tu es là, nous voyons le temps de rendre de bénissant, mon Seigneur et mon Dieu. Il est grand le mystère de la foi. Seigneur, de la terre, de la lumière, quand elle s'est libérée, de la vie du péché, rassemblée devant les êtres.
plus à l'église, quand on dit en anglais, she's got nice rosy cheeks. Ça fait, je me suis dit, on va laisser faire, puis. En tout cas, j'ai une présentation à vous faire. C'est que le Conseil d'État du Nouveau-Brunswick, ainsi que le Conseil des Chevaliers de Colomb de Chipagan, désire vous remettre ce certificat pour votre 50e anniversaire. Alors, ça se lit comme suit. En reconnaissance pour la promotion des principes de charité, unité, fraternité et patriotisme de notre ordre, et en reconnaissance pour la promotion de l'unité de la famille dans notre paroisse et au conseil Mgr Yvan Chiasson de Chipagan. Nous désirons leur souhaiter nos meilleurs vœux à l'occasion de leur 50e anniversaire de mariage. Que le Seigneur Tout-Puissant continue de leur accorder sa protection divine et ses bénédictions. Et c'est signé par le député d'État, le vénérable Jean-Marie Leblanc. Aussi, avec cette partie, j'ai un chapelet. C'est pas tout le monde qui en a. C'est un chapelet qui nous vient de. Que j'ai commandé à Noël pour les 50e anniversaire. Ce chapelet est béni par Mgr Bailey à New York. Et étant donné qu'ils vont qu'ils cheminent, Jésus, c'est une maison de prière, je crois que ce chapelet va y passer entre tes doigts pas mal souvent. Alors, Jeannine Yvon, je veux vous présenter ce certificat et ce chapelet. Des messages d'aspect politique, là, je pense que c'est tout à fait normal. Faire sûr qu'on était neutre dans cette affaire-là, j'ai voulu essayer d'être neutre, ben, j'en ai eu de toutes les parties. J'en ai eu du gouvernement conservateur, j'en ai eu du gouvernement libéral, et j'en ai même eu du NPD. Alors, je vais vous faire la lecture de ces message là. Le premier message que j'ai ici, je voudrais dire que j'en ai deux de la même personne. Et quand il m'a remis ce message-là, il m'a dit, c'est le dernier document officiel que j'ai signé comme ministre des Pêches et Agriculture, puis l'autre, c'est le premier comme ministre du Tourisme et départ. Alors, je n'en lirai pas tous les deux, c'est les deux mêmes, ça nous vient de notre député, qui se lit comme suit. L'honorable Paul Robuchaud, ministre de l'Agriculture, des Pêches et de l'Aquaculture, et ministre délégué de la Francophonie. Et l'autre, eh bien, c'est ministre comme ministre du Tourisme et des Parcs, et ministre responsable de la Francophonie. Et j'en vais en lire un, c'est le même, à l'honneur.
de féliciter Janine et Yvon, Richard, à l'occasion de leur 50e anniversaire de mariage, le 13 octobre 2001. C'est signé Paul Robichaud, député de l'AMEC, Chipagan, Miscou. Deuxième message ici, nous vient du premier ministre du Nouveau-Brunswick, Janine et Yvon, 50e anniversaire de mariage, 13 octobre 2001. En cette heureuse occasion, je me joins à votre famille et à vos amis pour vous offrir mes vœux les plus chaleureux du premier ministre Bernard Bord. J'ai aussi un autre message qui nous vient de notre député de l'Acadie Bathurst, qui se lit comme suit, Monsieur et Madame Yvon et Janine Richard, à titre de député d'Acadie Bathurst, je désire vous exprimer mes plus sincères félicitations à l'occasion de votre 50e anniversaire de mariage. Il s'est signé Yvon Godin, député d'Acadie Bathurst. On dira en anglais de last but not the least. C'est celui de notre premier ministre du Canada. Yvon et Janine Richard, je suis heureux de vous offrir mes meilleurs vœux et mes sincères félicitations à l'occasion de votre 50e anniversaire de mariage. C'est signé Jean Chrétien, premier ministre du Canada. J'espère que personne ne m'approchera et dire d'être conservateur seul. Alors, c'est pour le message. Il y aura probablement d'autres choses après. On est bien au niveau des salles. Les salles sont arrivées. Les salles sont arrivées. Si c'est con, je pense qu'on va passer le dessert à. À quelqu'un de. Je ne sais pas si il dit ou Mariette qui devrait lui faire des hommages là, de. Guy, ok. Je vais passer le micro à Guy. Je peux souvent le finir parce qu'il n'y a pas grand chose qui reste après. Alors, Guy, si tu veux dire le micro pour le. Oui. La soeur est que j'ai. À venir se joindre à moi. Parce que c'est pas évident de rendre témoignage à propos du moment. De chaque côté, sans qu'on le sache, on a prié ça. Vous voulez? On va faire confiance. Je vais commencer, puis on va le terminer. Je vous demande une permission spéciale. Ça arrive pas souvent, 50 ans. Êtes-vous d'accord? Alors, j'aimerais prendre le temps, malgré que ce ne soit pas long, on va prendre le temps de rendre hommage à papa du moment. Le 13 octobre 51, maman et papa s'unissaient devant Dieu dans le sacrement du mariage. Ils se promettaient devant Dieu fidélité pour le meilleur et pour le pire. Je rends grâce au Seigneur pour ce jour béni, où dans son plan d'amour pour papa et maman, nous formons la famille que nous sommes. Je veux rendre grâce à Dieu pour les parents qu'il nous a donnés. Je parle au nom de Serge, de Denis qui sont pas avec nous dans le moment, qui sont là, mais qui sont de commun accord avec nous autres. Alors, je veux rendre grâce à Dieu pour les parents qu'il nous a donnés. Des parents avec leurs qualités, avec leurs forces, mais aussi avec leurs faiblesses. C'est un privilège pour Mariette, Serge, Denis et moi-même
de pouvoir rendre témoignage à papa et maman pendant qu'ils sont toujours vivants. Pépère et mémé Richard, ainsi que pépère et mémé Duguay, qui aujourd'hui vous voient de leur demeure éternelle, jubile de bonheur avec vos frères et sœurs qui vous ont précédé. Qu'est-ce que papa et maman représentent pour moi et pour mes frères et sœurs? Comment rendre témoignage à maman et papa en toute humilité et dans la simplicité? Je pense que c'est en laissant parler notre cœur. Comme je vous le disais, Mariette et moi avons prié le Seigneur. Nous avons demandé au Seigneur l'Esprit Saint de nous inspirer pour que ce témoignage puisse vraiment représenter ce qu'il sent à nos yeux. C'est du fond du cœur que nous voulons exprimer notre gratitude, papa et maman, et notre reconnaissance. Oui, papa et maman, votre route a été parsemée de roses et d'épines, des événements heureux et aussi malheureux, des déceptions, des joies et des peines. Dieu vous a donné 4 enfants, Denis, Mariette, Serge et moi-même. Chacune de nos naissances ont été, j'en suis sûr, des moments réjouissants. Par notre baptême, on est entré dans la grande famille d'enfants de Dieu. Il y a eu des épreuves, la maladie, la perte d'êtres chers, et dans tout ce que vous avez su garder, et dans tout ça, vous avez su garder le cap. Dieu vous en a donné la force. Je remercie Dieu et je vous remercie pour les valeurs profondes que vous nous avez transmises. La foi en Dieu, le partage et le bonheur de partager vos joies et vos peines. Est-ce que j'essayais de me souvenir de papa et de maman? Ma mémoire, de temps en temps, jouait des tours. Elle me rappelait les belles choses, mais aussi les choses qui m'ont contrarié. Des choses que maman et papa ont fait, mais que j'ai un petit peu moins aimé. Mais personne n'est parfait. On est humain. On voudrait tous que les autres soient parfaits, soient notre écoute, affectueux, en accord avec nos choix. Mais comme mère, j'en ai fait l'expérience. Des fois, j'ai fait des choses que peut-être j'aurais pas dû faire. Puis aujourd'hui, c'est pour ça que je l'ai dit. Papa et maman, ils n'ont pas été parfaits, mais ils ont donné le meilleur d'eux autres-mêmes. Comme moi, j'ai fait avec ma fille. Je veux leur dire comment que je les apprécie, qu'est-ce qu'ils sont. Pour moi, sans des parents uniques, je ne peux pas m'imaginer qu'est-ce que ça aurait été autrement avec d'autres parents. Et je continuerai, papa et maman, avec vos cœurs d'enfants. Vous nous avez montré à prier, à nous et à vos petits-enfants. Et je me rappelle, papa, quand tu venais chez nous, tu t'agenouillais à côté du lit de Yann et tu priais. Tu priais, tu bénissais. C'est ça, papa, finalement, que vous nous avez montré. Vous nous avez toujours soutenus dans la prière. Et mon Dieu, qu'on sait que c'est vrai. Et vous nous avez toujours encouragés à surmonter les périodes difficiles de notre vie. Vous étiez là, présent, par votre écoute. Un jour, papa nous a même fait
le cadeau du livre de la parole de Dieu. Et ça nous a donné le goût de la parole. Les chemins de la vie vous en fait traverser de bons et de moins bons moments. Mais à cause de votre foi en Dieu et votre dévotion à la Sainte Vierge, à Maman Marie, vous avez été capable de surmonter bien des épreuves. Tout au long de la route, vous avez démontré votre grand dévouement et votre générosité pour ceux et celles qui vous entourent, pour vos frères et sœurs en Jésus et pour tous ceux qui souffraient. Vous avez soigné Pépère Duguay. Vous en avez pris soin lorsqu'il était malade. Vous l'avez accompagné lorsqu'il était mourant. Toi, maman, tu t'es empressée d'aller aider ma tante Malvina aux États-Unis lorsqu'elle était malade. Tu as donné ton temps et ton amour. Vous avez accueilli mon oncle Ludor lorsqu'il était malade. Vous avez prié pour lui et sur lui avec vos amis de votre groupe de prière. Mon oncle est mort sereinement à la paix. Hey, je ne veux pas vous faire pleurer, non. Vous avez toujours eu le souci des autres. Vous avez été au service de Dieu auprès des plus petits. Votre générosité de cœur et votre accueil pour les autres a été un exemple pour nous. Chaque fois que vous veniez nous visiter à Québec, vous vous y prépariez dans la prière. Vous n'arriviez pas seulement avec vos valises, mais avec un cœur généreux. Des boîtes de nourriture, du poisson en quantité, des desserts, tout ce que nous aimions. Vous nous avez aidés quand nous étions en besoin, malgré votre peu de ressources. Jésus a dit, tout ce que vous faites au plus petit des miens, c'est à moi que vous le faites. Ce que nous retenons surtout aujourd'hui, papa et maman, ce que vous êtes, c'est que vous vous êtes efforcés de vivre l'Évangile du Christ Jésus par votre compassion pour ceux qui étaient malades, pour ceux qui avaient besoin de vous. En tant que votre fils et au nom de mes frères et ma sœur Mariette, nous sommes reconnaissants et fiers des parents que vous êtes. Que Dieu vous bénisse d'une manière bien spéciale aujourd'hui. Qu'il vous comble de ses grâces et de ses bienfaits et vous accorde une longue vie. Merci, papa et maman. Je vous aime. Merci, Guy et Mariette. Je pense que pour les hommages que vous avez rendus à vos parents, je pense qu'on serait dû pour offrir un autre toast. Si vous restez en bon vivant, restez en bon vivant. Ah. Alors, on va offrir pour tous les hommages que j'ai rendus un toast à Daniel puis à Yvon. Moi, il me reste plus. Ensuite, on va avoir le deuxième de la famille, Jenny.
Là, c'est simple, la troisième est Marie, c'est la seule fille, c'est Maria, c'est sa fille qui revient. Pour préférer les filles, la sœur. La famille qui n'en a moins, les bébés. Serge, avec la maman de Mylène. Thank you.
la gamelle, je prends jusqu'à 155. Thank you.